Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, Matin Sport. Sport. Matin Sport, c'est avec vous, Mohamed Djebbour. Mohamed, bonjour. Bonjour. Et la famille du handball endeuillée après le décès du président de l'Espérance de Skikda. Eh oui, c'est un grand monsieur du handball, Yassine Adioub, qui nous a quittés, qui a été inhumé hier, il nous a quittés jeudi. Et la ville de Skikda était vraiment très affectée. Il a beaucoup fait pour le handball. Il a réussi à placer l'Espérance de Skikda sur le toit du handball national. Un hommage lui a été rendu au siège de l'APC, présent à cet hommage, Madame Houria Meddahi Wali de Skikda, le président de l'APC, de nombreux élus de la wilaya. Je rappelle juste que Yassine Alioute, très forte personnalité, il avait contesté, on en avait parlé dans Matin Sport, le report du championnat en disant que ce n'était pas sérieux, que ça handicapait et que ça mettait en difficulté le handball national et notamment notre équipe nationale, que c'était une décision tout à fait populiste parce qu'on en avait d'élection au niveau de l'Assemblée Générale de handball et c'est pour faire plaisir au président de club alors que lui avait débuté la saison bien avant. Il fallait payer les joueurs sur 11 mois et il avait trouvé les ressources nécessaires. Il avait annoncé d'ailleurs la décision qu'il avait prise, c'est de se présenter à la tête de la Fédération algérienne de handball. Et on va écouter une grande personnalité du handball national, Aziz Delouez, qui revient sur le décès et la perte pour le handball algérien de Yassine Adioub. L'un des seuls dirigeants engagé totalement, honnête, droit pour le handball algérien. Pour moi, c'est une véritable catastrophe. Il s'apprêtait à être candidat à la présidence de la fédération, malgré que la dernière fois, il n'en voulait pas. Il s'est encore remotivé pour ça, par rapport à son amour pour le handball algérien. J'étais tellement heureux qu'il ait ce courage, cette volonté de revenir lutter pour la présidence d'une fédération qui est en décrépitude totale. Malheureusement, son décès nous prive de cette chance, de cet espoir. Je présente à sa famille mes condoléances et au club de la JS Skikda. Et voilà, on présente également nos sincères condoléances à sa famille et également à toute l'équipe et les dirigeants de la JSE de Skikda. Et nous allons enchaîner tout de suite avec du football, Mohamed Djebbour, et la deuxième journée de Ligue 1. La deuxième journée de Ligue 1 qui a été marquée, qui a été scindée, je le rappelle, en trois, et qui a été marquée par le retour de l'Espérance de Mostaganem. 25 ans d'absence pour l'Espérance de Mostaganem et qui a affronté dans un match derby le Mouldia d'Oran. Score final 2-1. Pourtant, il ne faut pas se fier au score. Tout avait mal débuté pour l'Espérance de Mostaganem à domicile. Le MCO menait à la marque grâce à Yuba Aguib à la 42e minute avant qu'Addadi à l'entame de la seconde mi-temps n'égalise sur pénalty à la 52e minute de jeu. Il restait 20 minutes avant la fin du match. C'est Ritala qui a permis à l'Espérance de remporter les 3 points de la victoire. On écoute Chérif Hadjar sur cette victoire, l'entraîneur de l'Espérance au micro de Yahen Ouara. On a joué presque au premier temps sur du pouce-ballon, on a perdu beaucoup de balles, on a perdu des duels et on a encaissé un but. Je pense qu'il y a en deuxième temps, il y a une légère amélioration. Et le but qu'on a marqué nous a donné beaucoup de confiance et beaucoup de volonté pour gagner le match. Alhamdoulilah, on a réussi d'ajouter le deuxième but et de gagner ce match. C'était Chérif Hadjar au micro de Yahya Nouara. Alors, pour le reste des rencontres, tout d'abord, l'USMA d'Alger qui a été tenu en échec en déplacement par Nejm de Magra. Nabil Mahloul au micro d'Ali Hamouche, l'entraîneur de l'USMA d'Alger. Match très difficile comme on s'y attendait. C'est vrai qu'on a eu le monopole, on a eu tout dans ce match-là. On a pas mal joué, c'était un match très difficile, on s'y attendait. On a vu notre adversaire pour son premier match. Le terrain ne nous a pas encore aidé, mais je suis content de la prestation de mes joueurs. Inch'Allah, la prochaine fois, nous serons prêts, Akser, et nous gagnerons nos prochains matchs, Inch'Allah. C'était Nabil Mahloul au micro d'Ali Hamouche. Yamin Bourrala, l'entraîneur de Magra, toujours au micro d'Ali Hamouche. On a bien préparé notre match sur tous les plans. On a mis l'équipe de l'USMA en difficulté. Je crois un match nul contre une équipe de l'USMA avec des individualités pareilles. Je crois que c'est un exploit pour Magra. Malgré en deuxième mi-temps, on aurait pu marquer deux, trois occasions. Surtout, il y avait beaucoup d'espace derrière. Mais moi, personnellement, je félicite mes joueurs pour les efforts fournis.
0-0 dans cette confrontation, il restait un match hier, c'est la JS Saoura qui n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison. Une défaite lors de la première journée, cette fois-ci un match nul, un but partout à domicile. Oussama Kaddour pour Khenchla avait ouvert la marque et c'est Boutic qui a égalisé sur penalty à la 27e minute de jeu. Le reste des résultats, le Serbien en difficulté n'a pas gagné devant l'entente de Sétif, 0-0 à l'issue des 90 minutes de jeu. Al-Bayad a été battu à domicile par Biskra, un but à 0. Le Mouldia d'Alger et le Paradou ont fait match nul, un but partout, c'est Andy Delors qui a égalisé pour le Mouldia d'Alger face au Barado Athletic Club. L'Aïsochlev et le CS Constantine, 0-0. La JS Kabylie dans le derby face à l'Olympique Arbou s'est imposé 2-1 dans un match où il faut le dire, c'était la première fois, c'était historique, la première fois que la JSK a évolué au stade Hussein Aït Ahmed. Un petit bijou et bravo, là il faut le souligner quand les choses se passent bien. Bravo aux supporters de la JSK, bravo aux organisateurs, bravo aux, également aux éléments de la sécurité, de la sécurité, chargés de la sécurité et de la sûreté nationale. Tout était bien organisé et d'ailleurs tous les présents ont été à l'unanimité contents de la manière dont ils ont été reçus au stade Hussein Aït Ahmed. Ça nous change du Nelson Mandela ou bien également du stade de Douala après tout ce qui s'est passé. Et bien voilà, quand on veut, on peut faire bien, on le fait. Et on sait faire. Et ça, c'est une bonne... Et puis, il y avait également, ce qui faisait plaisir à voir, il y avait même une vieille dame qui s'était rendue au stade pour assister à cette rencontre. Et bien oui, il y a même des femmes âgées qui adorent le football, qui ont la passion du football. Et ça, c'est très bien. J'espère que ça va se répéter dans le temps. Alors, toutes les équipes qui ont gagné deux matchs, je rappelle, un ou qui ont gagné ou qui ont fait match nul, comptent 4 points. Il y en a deux. C'est le Paradou et l'Entente de Sétif avec 4 points. Celui derrière, Biskra et la JSK. Dans le bas du tableau, qui n'a toujours pas gagné, c'est le Bayad avec 0 points. Je rappelle qu'il y aura cette semaine des matchs de mise à jour, notamment avec un match, et je sais que vous l'avez noté, c'est JS Kabylie, Mouldia d'Alger, qui se jouera ce mardi. On enchaîne avec la Ligue 2. On a joué dans le groupe Centre-Est. Le Kharoub a battu Magran, 4-2. Souf a été battu par lui, 7-1. Retenez bien Souf, si ça continue comme ça, ils vont descendre d'un palier. L'USHAWI a été battu à domicile par Clermont, 2-1. Khmis El-Khachna, et là j'ouvre une petite parenthèse. S'il vous plaît, messieurs de Khmis El-Khachna, les dirigeants, n'abusez pas d'actes d'anti-jeu dans un match de foot. L'anti-jeu ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas jouer en Ligue 2, ben ne jouez pas en Ligue 2. Mais l'anti-jeu, sur ce qui s'est passé hier, et vous l'avez pu... Vous avez pu le suivre sur nos ondes avec Hamza Rahmouni qui commentait le match. Khmis El-Khachna s'est imposé devant Djidjel 1-0. Wargla, l'Ittihad Riyadi Beldiyat Wargla a été battu par le Cap de Batna 2-1. Victoire du Mouloudia de Batna devant Borj Menaïl 1-0. Chorom El Aïd, Annaba, pas de but, 0-0. Le choc entre le Harrach et le Mok de Constantine n'a pas eu de vainqueur, 0-0. Il restait un match pour le groupe Centre-Ouest, c'est le Net qui a affronté Saïda. Et le Net s'est imposé 1-0. Et il y a de l'athlétisme également ce matin, à Marmadjbourg dans Matin Sport, avec ce marathon au programme. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, coup d'envoi de la 4e étape du World Marathon Major. C'est à l'occasion de la 50e édition du Marathon de Berlin, qui verra une forte participation éthiopienne. Pour tous ceux qui adorent le marathon, suivre le marathon, parce que c'est assez spectaculaire, mais également qui pratiquent la course à pied. Présentation signée Malik Touahla. Après une année olympique très riche, le monde de l'athlétisme se tourne ce dimanche vers les courses sur route, et plus précisément vers la capitale allemande de Berlin, à l'occasion de la 4e étape du World Marathon Majors, qui verra pour la première fois en 11 années l'absence des stars mondiales de l'épreuve, à savoir l'ex-détenteur du record mondial, le Kenyan Eliud Kipchoge, ainsi que l'Éthiopien Kenenisa Bekele. Toutefois, le plateau du marathon de Berlin reste exceptionnel, avec notamment la présence de l'athlète qui est éthiopien Tadese Takele, qui avait impressionné lors de son tout premier marathon l'année dernière sur le même parcours. Et du côté des dames, les éthiopiennes seront très en vue, avec notamment la présence de Tigist Ketema, numéro 1 des participantes avec ses 2h16 réalisées à Dubaï, ainsi que la présence de la légendaire Genzebe Dibaba. Le départ des courses élites est prévu ce dimanche à 8h15 heure algérienne. 8h15, c'est-à-dire dans une heure, moins d'une heure, coup d'envoi du marathon de Berlin, ou à l'occasion de la 50e édition du marathon de Berlin. Et on parle à présent à Marmadjbourg des championnats de football à l'étranger, on commence avec l'Angleterre. L'Angleterre, c'était intéressant à suivre. Hier, Manchester City, qui avait été tenu en échec par Arsenal, eh bien 2-2, à domicile. On allait voir comment allait réagir cette équipe de Manchester City. Eh bien, elle menait au score. 1-0. Newcastle est revenu. 1-2. Deuxième match nul. Eh oui, le champion est un peu en difficulté. Dans le même temps, Arsenal s'est fait des frayeurs, menant 2-0 à la mi-temps. Leicester est revenu à 2-2. C'est sur la fin de la rencontre qu'Arsenal, les Gunners, ont remporté une victoire qui leur permet de rejoindre Manchester City. S'empare de la première place.
Liverpool qui a été mené au score, qui est revenu et sur penalty de Mohamed Salah qui s'impose 2-1. Les Reds prennent la première place. On retiendra le nul entre West Ham et Brentford. Chelsea avec Palmer qui a réussi un quadruplé, Palmer s'est imposé devant Brighton. Everton remporte sa première victoire de la saison, battant Crystal Palace, et Fulham a battu en déplacement Nottingham Forest 1-0. À retenir également hier la première défaite de la saison de Barcelone, battue 4-2 par Osasuna. En Italie, l'Inter, grâce à un grand Lautaro Martinez, s'est imposé devant Udinese 3-2. La Juve en déplacement s'est imposé à Genoa 3-0. Et l'Atalanta a été tenue en échec par Bologne 1-partout. En Allemagne, il y avait un match, un choc. Le Bayern a dominé le champion d'Allemagne, le Bayern Leverkusen. Mais finalement, ça a accouché d'un match nul avec 2 buts, 1-partout entre ces deux équipes, le Bayern de Munich et le Bayern Leverkusen. En France, on a joué. Monaco, qui fêtait ses 100 ans, a battu Montpellier 2-1. Lille en déplacement s'est imposé au Havre 3-0. Aujourd'hui, si vous aimez le football, ne ratez pas 2 matchs. Tout d'abord, il faudra suivre avec un grand intérêt le match qui mettra aux prises. Ça sera à 20h, l'Atlético Madrid au Real Madrid. Et puis il y aura un peu plus tard ou un peu plus tôt dans la journée, le match mettant aux prises Manchester United à Tottenham. Voilà, je vous donne l'heure précisément, ça sera à 16h30. Et le match, le derby madrilin, lui, se jouera à 20h. Merci beaucoup, Mamar Djibour, pour toutes ces informations sportives dans Matin Sport ce matin.